Rains rentre chez lui. On ne le reverra plus. La question est de savoir que s'est-il passé. Cet étrange fait divers n'a jamais été résolu. Mais d'abord, voyons qui était Claude Rains. Claude était du genre pas bavard. C'était quelqu'un de très professionnel. On l'invitait souvent à des pots avec des collègues, mais il venait jamais. Il était très gentil. Il ne parlait pas beaucoup. Je me demande s'il n'était pas un peu autiste. Il y a près de 1500 cas de disparition par an en France. En dehors de l'hypothèse d'un accident ou d'un crime. Il s'agit généralement de personnes souhaitant partir définitivement pour fuir des problèmes affectifs liés à leur vie sentimentale ou leur travail. Sur 978 écrans hectopascal, quasi stationnaire dans l'ouest immédiat de Terre-Neuve, avec dorsale associée se prolongeant 78 écrans hectopascal, quasi stationnaire dans l'ouest immédiat de Terre-Neuve, avec dorsale associée se prolongeant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour les chanceux, profitez bien de votre jour férié et je vous dis à demain. Thank you.
L'intrusion d'un inconnu dans la propriété d'un de nos concitoyens soulève beaucoup d'inquiétudes sur l'éventualité d'un retour des gitans dans la ville. Le fuyard a pu être saisi par les forces de police et a été soumis à un interrogatoire, mais son identité reste inconnue. Il est actuellement placé dans un centre d'observation.